Et voici donc le Real Madrid contre la Juventus. Ici Grégoire Margoton avec Darren Tulette qui nous donnera son regard si particulier sur ce match. Et le plaisir est pour moi, Grégoire. Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est un plaisir d'être ici. Vidal. Bonucci. Le bon service. Vidal. Il tente de la jouer dans l'espace. Bien joué, ils vont pouvoir repartir. Toni Kroos. Longue ouverture. Marcelo. Il glisse le ballon en profondeur. Et danger écarté grâce à l'intervention du défenseur. Ce sera un corner. Il va falloir être précis. Modric. Il va frapper. Attention, la frappe. Il voit le cadre se dérober pour quelques centimètres. Essayez de s'appliquer sur ces corners. Quadou à Samoa. James Rodriguez. Ils ont pris l'ascendant dans cette rencontre, mais pour l'instant, ça ne se reflète pas au tableau d'affichage. C'est vrai qu'ils sont bien dans ce début de match. Ils ont déjà quelques tirs à leur compteur et ça pourrait bien finir par payer. Marcelo. James Rodriguez. Cristiano Ronaldo. Pas d'évolution au score, toujours 0-0. Il récupère le ballon. Mais il joue avec le costard cravate comme moi ou quoi? Il faut accélérer pour créer le danger. Faute, c'est indiscutable. Pogba. Toni Kroos. Oh, quelle frappe! Pour trouver la faille dans la défense. Il prend sa chance. Pas de chance sur ce coup. Attention à cette passe lobée. Touche. Une très grande ouverture. Il cherche un coéquipier dans la profondeur. Oh, la grosse occasion. Oh, but, but pour le Real Madrid. Mais vu la situation, c'était obligé de se terminer comme ça. Il a bien exploité l'espace devant le but et à partir de là, c'est très difficile de l'arrêter. But. Bien, c'est reparti, ça fait 1-0. C'est fait, ils ont ouvert le score, mais il reste encore beaucoup de temps dans ce match. Pogba cherche la verticalité. Tevez. Il joue dans l'espace. Il a du champ sur le côté. Bien joué ça. Cristiano Ronaldo.
gardien s'en sort bien là. Une très grande ouverture. Bale. James Rodriguez. Vidal. Barzali. Vidal. Modric. Cristiano Ronaldo. C'est parfait, magnifique. Le centre. Bonne tête plongeante, mais ça ne rentre pas. C'est bien joué, il a réussi à la prendre de la tête. Bale. Et bon centre dans la surface. C'est dedans. Oh, maintenant ça va être difficile de les reprendre. Voilà une contre-attaque by the book, comme on dit. Une passe pas assez appuyée, il surgit, il va au bout. Magnifique. Le tableau d'affichage indique désormais 2-0. Le match était ouvert à 1-0, mais il devrait pouvoir défendre le avance maintenant. Benzema pour trouver la faille dans la défense. Oh, le joli coup de tête. Il donne de l'air à sa défense. Bale. Il file vers le but. Il peut encore frapper. Et ils alourdissent la marque. Ils comptent désormais 3 buts d'avance. Leurs adversaires sont KO debout là. Oh, le gardien. Et c'est au fond. C'est vrai que ce genre de bourre peut arriver même au meilleur. Le truc maintenant, c'est qu'il faut absolument et très rapidement se reconcentrer. C'est reparti, le score est maintenant de 3-0. C'est déjà la pause, j'ai pas vu le temps passer désormais. Les entraîneurs rentrent en action. 3 buts d'avance, oui, on a vu un véritable festival offensif. Allez, c'est une nouvelle mi-temps qui commence. Chiellini.
Ça joue long. Benzema. James Rodriguez. Steiner. Il est servi. Modric. Ils obtiennent la touche. Pogba. Steiner. Une très longue passe. Ça, c'est une interception parfaite. La passe dans la profondeur. Modric. Pirlo. Ce contre peut très bien aller au bout. Il glisse le ballon en profondeur. C'est joué loin devant. Tevez. Bale. Dans la profondeur. La passe est précise. Quel manque de précision! Il ne pense qu'à tirer, comme beaucoup de footballeurs d'ailleurs. Oh, il aurait bien pu ajouter un nouveau but. C'est vraiment un joueur à part, du genre à pouvoir décider de l'issue d'un match sur un coup de génie. Chiellini. Bonne interception, il y avait danger. Benzema, dans le dos de la défense. Il peut en profiter. Il arrête ce tir sans problème. La défense avait l'air vraiment vulnérable sur cette action. Ils n'ont pas trouvé de réponse à ces dribbles. Et bien sûr, s'appliquer l'importance du coup de pied arrêté. Et le danger est écarté. Et le drapeau s'est levé. Effectivement, mais il ne part pas dans le bon tempo. Un petit manque de concentration quand même. Le gardien loin devant. Ils n'ont pas encore fait un seul changement, c'est important. Il allonge. Quel timing dans l'interception. Le voilà servi. À toute vitesse vers la surface. Et le gardien n'a même pas eu à intervenir. Il avait réussi le plus difficile, prendre le dessus sur son adversaire direct. C'est vraiment dommage. Marcelo, il garde la balle. Il cherchait la profondeur, mais en face, défensivement, ça répond présent. Je crois qu'il s'est trahi avec le petit regard à son coéquipier. Oh, juste avant la passe. Un grand dégagement le plus loin possible. Modric. Mais se dérobe vraiment. Écoutez, il a raison de tenter sa chance. Les défenseurs ne montent pas au pressing, alors il frappe. C'est plutôt bien joué. Avertissement sans frais sur cette occasion. Pourtant, ils le savent que c'est une équipe dangereuse en contre. Ils ne peuvent pas se permettre de reproduire cette erreur trop souvent. Il joue dans la profondeur. Centre travaillé dans la surface. Tevez, la frappe. C'est au fond des filets. Magnifique tête plongeante. Oui, il n'a pas eu peur d'y aller. Superbe coup de tête, c'est bon ça. C'est reparti et il n'y a plus que deux buts d'écart désormais. Il joue dans l'espace. Cristiano Ronaldo, bien servi sur le côté. Pas loin, mais ça ne rentre pas.
James Rodriguez. Il va s'en charger, il est fort pour frapper les corners. Il ne sera pas à temps sur cette balle. Voilà, ça y est, les 15 dernières minutes de la rencontre, on y est. Il a pris tout le monde de vitesse. Oh, l'accélération. Et cette frappe hors cadre. Ils sont en retard au tableau d'affichage. Ils tentent, mais de façon un peu désordonnée. Pogba. Chiellini. Bonucci. Vidal. Pirlo. Barzagli. Vidal. Pogba. Toni Kroos. Un bon centre dans la surface. Oh, ça aurait pu sceller le résultat. Aïe, 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 ils auraient pu tuer le match. C'est presque impossible de remonter 3 buts de retard. Oh, c'était pas loin. Il fait partie de ces joueurs capables de créer le danger à chaque prise de balle. Il me ressemble beaucoup. Llorente. Et cette énorme frappe. Allez, il reste 5 petites minutes maintenant. James Rodriguez. Toni Kroos. Et la touche maintenant. Steiner. C'est intercepté, ça aurait pu faire mal. Quatre grosses minutes de temps additionnel selon l'assistant. Tevez. C'est reparti, ils peuvent contrer. L'accélération pour trouver la faille dans la défense. Ça sent la frappe. On a failli voir un but magnifique. C'est le ballon en profondeur qui fait la différence. Un superbe toucher de balle. L'arbitre siffle. Le match est terminé. Victoire méritée, pas grand chose à dire si ce n'est que c'était vraiment un grand spectacle de la première à la dernière seconde. Il y avait de l'envie, de l'engagement, un rythme tout simplement incroyable. C'était presque le match parfait. On est malheureusement obligé de se quitter maintenant.